Je vous reprends pour cette deuxième journée, le lit, excellent. Des oreillers à mémoire de forme, je crois que le matelas aussi, très très chouette. La douche, bah canon, hein, avec tous les petits jets. On a envie d'aller profiter de l'océan, on va que tout le monde soit là. Et Eric a repéré une chemise hawaïenne, enfin des chemises hawaïennes, donc on va aller acheter ça. Et après on va commencer cette grosse journée. Voilà. Il est 7h30, on va déjeuner. Oh, perspective. On y retournera au rooftop, hein, je pense. Avec la lumière du jour. Mais on attend qu'il... Parce que là, c'est pas... le ciel, il est pas top, il est gris un peu. C'est très agréable, hein. Il fait frais, mais franchement, c'est plaisant quand même. Vous voyez le temps, bon, c'est pas ça, mais en une heure de temps, ça peut changer. Ouais, ils sont en train d'installer tout. On a géré quand même de se lever aussitôt. Et j'ai vu, ils servent le petit-déj à partir de 6h30. Donc si demain, on veut en profiter à fond, franchement, j'aimerais bien voir le lever de soleil. Parce que pour tout vous dire, ce que je vous ai dit, aller voir papier peint, aller dans le complexe et tout, aujourd'hui, ça risque d'être chaud. Il faut y aller en voiture et le problème c'est que les voitures, c'est même pas la peine de les utiliser. Ça risque d'être plutôt demain au moment où on partira. Ah, les chemises hawaïennes. Quoi non? Si, c'est ça. Il y avait des robes qui étaient très jolies, des robes longues pareo. Là, tu peux regarder. Non, c'était pas là, c'était... parce que là elles sont pas longues. Ouais, tu vois, c'était pas encore ces modèles-ci. Il y en a une où on voit le sein. Ouais, c'est une veille nénée. Remarque, c'est bien, là il n'y a personne pour montrer un petit peu. Voilà, il y a plein d'accessoires comme ça, des barrettes. Ils sont en train de tout mettre. Et tout à l'heure, ça va être noir de nom. Oh, c'est les petites vaïnées des voitures qui bougent. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment joli, ça. Hein, les joggers. C'est nous, ça, demain matin. Je trouve ça très mignon de mettre des petits pots comme ça sur les tables. Mais ça fait cocktail, ici. Tu penses qu'à ça, toi? Oui, je pense qu'à boire des mojitos quand je suis au bord de la gare. Tu la lâches plus la caméra. J'aurais bien voulu une photo parce que comme tu dis, il n'y a pas d'ombre portée, là ça peut être joli comme tout. Non, j'ai besoin de toi pour ça. Ça c'est bon la caméra. Attends. Spielberg, hein. Ben non, mais j'essaie de mettre un petit peu de grammaire cinématographique. Je vais essayer de faire une photo, mais... J'avoue, franchement, avec le bras tendu, c'est pas bon, ça déforme, donc si tu pouvais m'aider, réalisateur. Plus près encore. Hein. Ce que j'ai envie de voir, c'est ton âme. Tu comprends? Yes, juste une photo en fait. Tu rigoles quoi? Je suis en train de faire des super plans de cinéma. Ah. On se croirait à Cannes. Ouais, par contre, non. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, faut qu'ils soient inspirés par le décor. Ah. T'as été plongé sur ton téléphone. Je te filme devant la plus belle baie du monde, toi tu regardes ton téléphone. Il y a du monde qui arrive là, on monte. Ouais. Allez, arrête, c'est gênant. Je la trouve très jolie cette devanture, Simone. Un petit peu accessoires, fringues. Les couleurs sont mignonnes comme tout. Très sympa. Je viens d'acheter un petit bijou pour la fête des mamans, super mignon. Là, il va aller acheter sa chemise hawaïenne parce que c'est enfin ouvert, ça ouvre à 10h. Et on a les hawaïens qui se préparent. 11h30 à partir de l'Iran. Ah, d'accord. Ouais, mais là, 11h30, on sera déjà parti pour les faire. Ouais, bah, on ira faire, j'irai faire une petite photo. On est repassé vite fait à la chambre et Eric s'est trouvé une chemise hawaïenne. Alors c'était compliqué, hein. Il a pris triple XL, ça doit pas être les mêmes tailles. Elle est jolie, hein. Il va la mettre pour ce midi. Et là, franchement, trop jolie. Il t'offre un petit marque-page. C'est Retour de plage, la marque. C'est présenté dans ce petit pochon. Il est magnifique. Je vous montrerai peut-être. Je sais pas. Ah, non, je vais pas pouvoir l'ouvrir. Mais enfin, il est super beau. Nous sommes devant le... Enfin, c'est le Casino des Pins, enfin, le restaurant. C'est un bar lunch. C'est super. On y était une fois. C'est très joli. Et là, on les attend. Je peux pas trop, il y a de la musique. Un très joli restaurant, hein. Merci. Bon appétit. Merci. Bon, donc là, il y a pina colada, vanille. Ouais. Ah oui, c'est ananas. Je ne sais pas où je vous ai laissé, je suis toute décoiffée, donc c'était très très bien. Je suis à l'Hélium, le centre commercial, je les ai laissés, ils sont partis. J'ai oublié depuis ce matin en fait mes lunettes de vue, ce qui fait que je suis obligée de mettre mes lunettes de soleil. J'ai mangé avec mes lunettes de soleil. Donc au début ça va, là, je commence vraiment à fatiguer parce que le temps d'aller à l'hôtel, comme je dis, c'est compliqué de se garer. Oh là, qu'est-ce que je fous. Et donc bah là je suis en talons aussi, j'ai les pieds qui commencent à me faire mal. Et je commence à avoir la tête qui tourne avec quand t'as des lunettes comme ça dans les espaces un petit peu plus
sens, c'est compliqué. Je pense qu'ils vont pas tarder. J'ai trouvé donc un petit quelque chose chez Armand Thierry pour la fête des mamans. D'un petit complément. Et je suis allée chez Sephora, raisonnable, je n'ai rien pris. Et sinon, non, je crois que c'est tout. Voilà. Par contre, je vais absolument, avant de sortir ce soir, retourner à l'hôtel. Parce que là, ça me manque énormément les lunettes. J'ai les pieds en feu. Pour ça, j'en profite, je connais pas, je vais tester les mouchis. C'est bon? Donc clairement il va être temps qu'ils arrivent, je n'en peux plus, je tiens plus debout. Mais tu vois, faut te dire que tu filmes parce qu'il faut que je rentre le ventre. C'est les pailles en carton. Bon bah je vous reprends, je ne sais pas du tout où je vous ai laissé. Ah si, on buvait un petit apéro et on a commandé des pizzas. On était chez ses parents et là il y a, je crois, les Thaïciens. Ils font un truc, mais tout le monde s'en va, donc je ne sais pas. C'est jusqu'à 23h, il doit être déjà 22h. Effectivement, tout le monde remonte. Tout le monde, tout le monde. Carrément monté sur les tables. C'est bien qu'elle avance sur la voiture. Non mais je pensais qu'elle était là. Bon là on est à la recherche d'un... Parce que là il ferme en fait, il est 22h40. Moi j'aimerais bien une petite glace. Et je dois le boire un petit verre. Il y a plein de cafés, alors soit c'est pris d'assaut, soit ils ferment. C'est très bizarre. Je commence lundi le régime, donc là je peux me lâcher. Enfin le régime, non. Je déteste faire des choses qui... Enfin, trop de privation, c'est être frustrée, j'ai pas envie. Mais je vais juste faire gaffe. Et arrêter de manger, surtout le soir, des sucres, des machins, des glaces. Océane Café, c'est là où on a mangé hier. Le burger notamment, il était dingue, vraiment très très bon. Je vais essayer de faire un plan sur la baie. J'adore l'ambiance, le sable, la mer, des gens qui discutent. Je pense que je vais les perdre. Tada, monde chocolat. On va aller manger ça près de l'océan. Merde, j'ai pris... Ah bah elle coule déjà, super. Nous sommes le lendemain, il est 8h30. J'ai pas vu. Ah bah voilà, t'as vu bébé, aujourd'hui il fait beau. Bah oui, c'est normal. Voilà, et on s'en va. Donc hier soir, bah en fait, on est resté sur le ponton, près de la mer, avec sa sœur. Et on a papoté pendant... J'ai mangé ma glace, puis on a papoté jusqu'à minuit et quelques. Puis on est rentré gentiment à la chambre. Voilà, il n'y a pas eu d'excès ou de trucs comme ça, et là ça va ce matin. Ça pique un peu, ce qui est normal, je pense que c'est le CO2, comme disait son père, mais c'est quand même très agréable. Il fait un petit peu frais. Non, le casino, non. Non. Et j'avais dit, il fallait que j'aille au rooftop. Deux jours, quand même, faire une photo aussi. Ouh. C'est sympa comme tout, hein, avec ces transats. Une barre. Eric qui va venir, ça va pas être plus mal parce que pour faire la photo toute seule, ça va être compliqué. Là, je profite qu'il n'y ait personne. Je vais essayer de faire avec la mer, tant qu'à faire derrière. Vous voyez la journée. Ah, ils ont fait. Vous voyez les silos, enfin, je sais pas, regardez. Tout a été repeint la dernière fois, c'était pas comme ça. Allez voir. Ils sont en train de faire des fresques. Et là, c'est le port. Ça y est, c'est l'heure, on sort. On va jusqu'à la voiture, il faut qu'on traverse tous les sables vu qu'il s'est garé loin. Il est un peu plus chargé que moi. Il est midi, on est à la Roche-sur-Yon parce que je vous ai dit, je voudrais aller à Leroy Merlin pour des papiers peints. On va profiter, je pense qu'on va acheter pour gagner au thé, ça évitera d'aller dans les aires d'autoroute qui sont surpeuplées. Bon, on se retrouve à Leroy Merlin. On n'a pas acheté de quoi manger du coup. Il a l'air immense. Franchement, je pense que je vais trouver un peu. En fait, je vous avais dit que j'avais acheté un fond de teint avec un UV de 50 protecteur. Je suis bien contente parce que là, je sens que ça chauffe. Hier, on était dans un, je vous ai pas filmé, un magasin d'ameublement et tout, genre 117 euros le truc. Là, on est sur du 19 euros alors qu'hier, c'était 117 le rouleau.
y a énormément de choix. Bah écoute, là j'ai pas vraiment pas trouvé. Il y en a des très jolis, hein, mais c'est pas. Non. Bah, attends, j'ai pas regardé ici. Tu sais, quand t'as une idée dans la tête, c'est ça le truc. Alors, bon, on est juste à côté, on n'a pas pris. On prendra celui qu'on a vu et là on va acheter un sandwich. On vient de rentrer. Quelle heure est-il ? 16h42. Oh, je suis naze. On a retrouvé Baby, je viens de lui donner à manger. Écoutez. Il est content. Ah, ça fait du bien, il fait frais dans la maison, c'est cool. Mais flemme, grosse flemme. Je suis censée aller acheter des gâteaux pour demain midi, la fête des mères. J'irai peut-être demain midi. On est dimanche, je suis sûre que je vais trouver. Alors évidemment, il n'était pas tout seul. C'est ma maman à chaque fois qui s'en occupe. T'es content ? Mais oui. Bon les amis, bisous bisous. Et j'espère que ces petits vlogs au Sable d'Olonne vous auront plu. Je vous fais un gros bisou et je vous reprends. Bah de toute façon, les travaux reprennent lundi. Et là, ça va donner. Allez, ciao.